merde. J'avais préparé une super surprise, rien que pour toi. Mais j'ai comme l'impression que t'es légèrement occupé. Mais c'est pas grave. On peut toujours changer un peu les règles. Tenez-vous prêts, Sam. Attention. On dirait qu'il a faim. Tout ce que t'as à faire si tu veux survivre, c'est de pas te faire dévorer. C'est pas cool, ça? Bien sûr que... Plus rien à craindre. Par ici! Sam, vous allez bien? Quelqu'un m'entend ? Thank you.
chez vous, ça. Je sais. C'est pas une phobie très pratique, mais est-ce qu'il y a des phobies qui le sont? J'ai aussi peur du noir, vous savez. J'arrive tout à dormir. Impossible.
pouvais le faire. Vous êtes sûr que vous voulez continuer avec ces chaussures? Le risque, c'est que vous vous fatiguez beaucoup plus vite. Ou pire, que vous vous blessiez. J'ai besoin d'ouvrir la bouche pour communiquer. Mes joies étaient ses joies. Et ses peines étaient mes peines. Peu importe la distance entre nous, on ne faisait qu'une. On pourrait presque appeler ça la télépathie. Séparés par le corps, réunis par l'esprit. On avait une grève, rien que pour nous. On la partageait. Notre propre réseau chiral privé, si on veut. Grâce au Cupidon, on peut faire en sorte que tout le monde puisse partager la même chose que Lokno et moi. Après avoir signé chez Bridges, je l'ai entièrement visualisé. Un réseau capable d'unir tout le monde. Peu importe la distance ou les différences, qui nous permettrait de former un tout. Le but ne serait pas d'uniformiser les gens, mais de leur permettre de pouvoir compter les uns sur les autres, de partager sur un pied d'égalité. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Lingen, non. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Entre ta voix. J'aurais dû te donner des nouvelles. J'ai tout essayé pour la sauver. T'inquiète, c'est pas ta faute. Lokno, il faut que tu répares son Cupidon. J'ai pas pu sauver notre fille, mais toi, sauve notre monde. Toi seul. Je t'aime. Tu m'entends. Pour toujours. Et à jamais.
Rend son intégrité au monde comme tu l'as fait pour moi. Je ne me doutais pas de tout ce qu'elle avait traversé. Je croyais qu'elle avait fait exprès de rompre notre lien pour mieux pouvoir voler notre enfant et s'enfuir avec elle. Je l'ai réparé comme elle me l'a demandé. Vous ne devriez plus avoir de soucis avec le limiteur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Avant de toucher quoi que ce soit, j'ai pris le temps de bien examiner le code. Et je pense que quelqu'un y a touché. Si c'est pas le cas, alors c'est que ma mémoire me joue des tours. Quelqu'un aurait réécrit votre code ? Réécrit, c'est peut-être un peu exagéré. Disons en tout cas qu'il n'était pas conforme à ma dernière version. Mais bon, grâce à ça, j'ai eu l'immense chance de revoir Malingan. Peut-être qu'on a déjà trouvé notre coupable. Elle est morte là-bas, sous les décombres, avec notre enfant dans son ventre. Et tandis que son cas est passé de l'autre côté, son A est resté là, lié à notre fille morte. Elle en était consciente, bien sûr. C'est pour ça qu'elle ne mettait qu'une seule menotte, pour qu'on ne puisse pas voir ses fonctions vitales. Si elle avait pu se servir de son invention préférée. Elle a fait tout ça pour nous protéger, notre fille et moi. Malingan ? Oui, je t'entends. On ne fait plus qu'une. Toi et moi. Comme quand on était dans son ventre. Tu te souviens ? Malingan. Loknuk. C'est du bon travail, Sam.
Grâce à vous, la ville Relais Frontières est enfin à notre portée. Quant à vous, Lochner, votre travail de premier ordre va permettre au réseau chiral de rester actif, quoi qu'il arrive. Ensemble, nous pourrions bien arriver à atteindre l'Ouest. Au fait, Sam, il faut que je vous dise quelque chose. Nous étudions les données du moment où vous dites avoir rencontré ces soldats. On a récupéré le son, qui ne suffit pas à reconstituer tout ce qui s'est passé, mais... les langues, les noms, les mots qu'on a réussi à identifier, et les munitions dont on a reconnu la nature... tous ces éléments concordent et semblent indiquer que vous vous trouviez sur un champ de bataille remontant à plus d'un siècle. À la Première Guerre mondiale, pour être exact. Ce n'était pas un rêve, et ce n'était pas non plus une hallucination. C'est comme si vous aviez été aspiré dans une autre dimension. Étant donné les différences de temps, vous avez peut-être été envoyé sur une grève. Mais tout ce que je vous dis là n'est qu'hypothétique. Ceci étant dit, je n'ai jamais entendu parler d'une grève transformée en champ de bataille. Mais on le sait, les grèves sont modelées par la volonté des gens qui y habitent. Hartmann aura peut-être une explication plus rationnelle. C'est son domaine d'expertise. Malheureusement, il ne fait pas encore partie du réseau chiral. Quoi qu'il en soit, il faut vous reposer. Inutile de s'attarder sur des questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. Nous apprécions beaucoup ça. Sam, collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité.